Eh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 2 de On crée notre club sur FC25. Donc c'est parti, on commence donc la vraie compétition avec la DFB Pokal. Donc c'est parti, on peut lancer le match avec notre équipe. On peut voir que c'est cette équipe-là, notre équipe titulaire. Alors, sachant que du coup j'ai eu aussi un mec au gardien. J'ai un nouveau gars au goal. Donc on va regarder ça tout de suite. On va le mettre d'ailleurs. Il a 65 de général, donc c'est déjà pas trop mal. Il va pouvoir vraiment faire le café, le temps qu'il y a besoin. Par contre, allez au bon endroit, monsieur. Ok, super. Et donc, lui, il va rester sur le côté. Et parfait. On valide ça. Et du coup, on a notre vrai gardien. Et on peut commencer donc la coupe. On va jouer ce match. Et avec notre attaquant phare, donc Duranville, qui va pouvoir nous permettre de faire rentrer un petit peu de sous dans la caisse. Sachant que c'est un très bon futur joueur. Un sueur belge vraiment très prometteur. Donc on se retrouve comme vous savez pour les moments les plus forts de ce match. En espérant qu'on puisse faire de très très bons résultats lors de ce deuxième épisode. Je l'attends beaucoup. C'est parti. Allez, on fait un joli centre. Ballon piqué. Dommage. Oh bien joué. Oh le but. Oh non. Dommage. Oh l'action était incroyable. C'était tellement ce qu'il fallait faire. Je pensais pas qu'il allait le faire. Ok, la frappe. Ouh, premier arrêt de notre nouveau gardien qui fait un dégagement. Oh là là. Qui a fait un dégagement vraiment très moyen. Okay, bien vu. Ok, tu peux tenter la frappe de loin. Ouh, elle passe pas loin. Elle est contrée en plus. Elle est contrée. Donc on obtient un corner tiré par Duranville. Oh, trop sur le gardien. Trop sur le gardien. Donc là, ça se passe plutôt bien. Mais bon, le corner est un peu trop rentrant. Allez, je veux quelqu'un la retomber. Je veux quelqu'un. Tu l'as vu? Bien joué face à face. Eh oui, mon pote. Non! Mais non, je pensais qu'il rentrait. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Oh la dinguerie. Hop. Pas normal de faire ça, les gars. Regarde ce qu'il loupe. Ah non, faut pas. Faut pas louper ça. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper. C'est pas fini. Bien joué. Oh là 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 là. On a failli prendre un but, les gars. Ça a failli être cata pour nous. Mais bon, c'est passé, c'est le principal. Donc, on arrive à la mi-temps. Ça fait 0-0. On va regarder juste les détails. Ils ont la possession, mais on a les actions un petit peu. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. En tout cas, on va tout donner pour la victoire. Pour passer au prochain tour. Tu savais qu'il allait faire ça. Attention. Oh, il y a une main. Ok, bien récupéré. Bien joué la frappe. Oh, dommage de voir, ça va y marquer son premier but dans notre club. Ça aurait été très beau pour lui, mais malheureusement le gardien était dessus. Oh, bien vu, sur le côté. Oh, bien vu, frappe, but. Non? Ok, bel arrêt du gardien. Fin du match, les gars, 0-0. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce que on... Ouais, on part sur des prolongations du coup. Premier match, prolongation, incroyable, qui l'eût cru. On va essayer de la gagner cette prolongue. Bien joué, tu pars sur le côté. Tu l'as vu, il est seul. Il est seul. Et le but. Let's go. 1-0 pour nous. But de Lang. Ah, c'est Lang, c'est pas Jung. Oh, je suis bête. Quel beau but. Magnifique. Ça, c'est une frappe comme on aime, sur le côté. Ça fait 1-0 pour nous, du coup. Bien joué, sur le côté, bien envoyé. Oh, dommage. Il y a un pénalty. Let's go. J'avais tenté la tête, mais la main de l'adversaire a fait que bah du coup la frappe n'a pas fini au bon endroit. Regarde. Bam. Oh oui, elle est belle en plus. Une belle main. Une belle mimine. C'est qui s'en occupe? C'est Havertz, du coup. Avec son beau dégradé là, blond. Magnifique. Enfin, je crois. Non, c'est le reflet du soleil. Et quelle lucarne. Ça fait 2-0 pour nous, du coup. Incroyable. Incroyable. Qui l'eût cru, sérieusement, qui l'eût cru? Et c'est le SV Elvesberg, du coup. Regardez comment ils sont contents, ils savent, ils le savent. Ils sont à ça d'être qualifiés. Elle a 81 en pénalty, donc normal qu'il la mette en pleine lucarne. Oh là là, il a imparable. Imparable. Toc. Allez, allez, bien joué, gardien. Oh, bien joué. C'est dur de faire la tactique là. Bon, fin de la première mi-temps de la prolongation, les gars, ça fait donc
Un très beau score de 2-0 pour nous. C'est avant qu'on aurait dû le faire, malheureusement. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est qu'on a l'avantage. Allez, tire! Oh, dommage. Oh, il y a eu un claquage. J'ai vu un claquage, j'ai eu un blessé. C'est Kata qui s'est blessé, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Et dessus, dessus, dessus. Encore. Ah! Oh, la frappe! Wouh! C'est passé pas loin, ça. On a failli prendre cher. Bon, c'est pas très grave, on a... Oh, bien joué, gardien. Gardien! Oh, le gardien, il est trop fort. Le gardien, il est beaucoup trop fort, les gars. Nickel. Victoire pour nous, les gars. 2-0. Il s'est rien passé de ouf dans la deuxième partie de la prolongation, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça fait une victoire bien méritée pour nous. 2-0. On a bien dominé ce match. C'est le principal. Ensuite, on a donc offre pour Bowman. MG. Rejeté. Je ne peux pas accepter. Nouveau message de Blovvist. Qu'est-ce qu'il a? C'était une décision difficile. Voilà, m'embête pas. J'ai dû faire un choix. Alors, on a reçu un nouvel email. Le CA me dit... Ok, on a eu 137 000 balles de dotation pour la Copa. La Copal. Ok, on a un départ donc de Meyer à Rodez pour un prêt de 12 mois. Milo Meyer qui va pouvoir prendre de l'expérience en partant en prêt. Ok, c'est qui est arrivé là? Liverpool, l'équipe a confirmé l'intérêt. Robertson. Ok, Robertson qui va arriver à Paris. Oh, France, mission de recrutement. Ok, là on commence le match de Liga. Ok, ça c'est intéressant. On a l'entraînement d'avant-match que je ne vais pas faire parce que voilà, je m'en fous un peu. On a une conférence de presse, on va forcément y assister pour remonter un peu le moral des troupes. Alors. Ouais. Alors ici 4 passes. Ah, il y en a 4 choix maintenant. Voilà, il est très heureux. On va encourager Kata aussi. Et on va encourager le BU. Encourager Lang. Super. Au moins tout le monde va être de bonne humeur en fait pour le match. Donc c'est royal pour nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Des rôles. Allez au plan de développement. Ah oui, j'ai lui qui a pas de plan. J'ai 4 gardiens. Ouais, faudrait peut-être que j'en envoie un en transfert. C'est lequel le plus jeune? L'âge. Y'a pas l'âge. Oh. T'as lui aussi qui n'a pas de plan. Ah si. Pourquoi y a un truc du coup? De toute façon, ça va être marqué équilibré. Tu vois, lui, par exemple, je vais pas donner de plan sans faire exprès. Il va passer vite à 73. Dès que je vois un gars qui est équilibré, bam, on lui fout un petit, entraînement. Déjà, tu vois, lui, il va pouvoir prendre, il va pouvoir évoluer. Lui, il va pouvoir faire passer à 70 au moins. Et je pense qu'ils vont être appelés en sélection du fait de leur niveau. Ils ont quand même un assez bon niveau, je pense. Ensuite, et j'ai personne d'autre. Non, c'est bon. Donc, appliquer le rôle. Ok, confirmé. Et donc, là, du coup. Ok, ah oui, parce que du coup. Ah, d'accord, c'est ça. Duranville, il est équilibré, par exemple, tu vois. Il a quoi, 60... il a 67, t'as déjà? Ah la vache. Il progresse vite. Lui va pouvoir passer. Il passerait DC? Non, reste DD. Reste DD, mon pote. Défenseur droit, et toi? DG, super. Le plan parfait. Donc, il est défenseur latéral plus plus. Super, donc continuez à évoluer comme ça, les gars. C'est tout ce qu'il me faut. Restez de très bons joueurs. Et là, du coup, on va pouvoir entamer l'autre match analyse de l'adversaire. Donc 4 joueurs à surveiller sur le côté droit du coup. Donc on va éviter de partir sur du coup notre gauche. Et on va jouer plutôt à droite du coup. Parce que leurs joueurs sont plus moins à surveiller. Mission. Donc potentiel. Ah, il est entre 56. Mais par contre, est-ce que je peux voir son potentiel? Ah oui, voilà.
Les potentiels sont à côté. Ah, là, on peut parler. Il y en a un qui a 16 ans. Il a entre 42 et 58. Mais lui, il a entre 46. Style de jeu 1-3. Et lui, ce serait plus 1. Il n'y a pas les postes. Ah, trouver DC et BU. Bon, on va prendre les deux. Recruter joueurs. Et. Ah, je peux pas. Oh, je peux pas. Bon, bah, c'est pas grave. Et j'ai des mails non lus, donc on va aller faire ça. Suggestion pour le poste de capitaine. J'ai pas d'autres. Ouais, j'ai pas d'autres choses. Donc on va pouvoir commencer le premier match de Liga avec notre équipe type qui est juste là. Donc l'équipe est quand même potable, hein, parce qu'il y a qu'un joueur en dessous de 60. Donc franchement, l'équipe est propre. L'équipe est propre. On va devoir donc prouver qu'on est vraiment une équipe qui veut monter dès la première année. Regardez-moi ça. Tout le monde attend, tout le monde est prêt. Ils savent que ça va jouer. Regardez-les comment ils sont fiers. Allez, que le match commence, les gars. Oh, elle donne mal à la tête, cette caméra. Allez, c'est parti. Oh, les maillots! Encore. Va falloir que j'inverse la saison prochaine. Et il aura pu. L'autre aura pu faire la différence. Pourquoi? Allez! Non, c'est bon. Bel arrêt du gardien. Pourquoi ils se sont décalés? Ils faites pas ça, les frères. Allez, je fais un dégagement. Bien joué la passe. Elle est incroyable. Je savais pas qu'il y avait un mec là. C'est Duranville. Est-ce qu'il va ouvrir le score? Non. Ils sont face à face. Loupé. Dommage. Putain, il aurait pu marquer. Ça aurait été trop beau. Bleu sur le côté. Ça te double. Il pénètre dans la surface. Il tire! La frappe et le but! Let's go! Et ça fait 1-0 pour nous. Le KFC prend la tête. Le KFC prend la tête, les gars. C'est dit. On va gagner. Mi-temps, les gars. 1-0 pour nous. Ça se passe vraiment proprement pour l'instant. Je suis bien content. La victoire est pour le moment bien méritée. Il n'y a pas eu trop d'action de leur côté. On aurait pu tuer le match tout à l'heure, mais on ne l'a pas fait. Dommage. Pressing constant. Bien joué, gardien. Bel arrêt. Bel arrêt du gardien. On a failli prendre un but, mais on a évité le pire. Wow, les dégagements à la main, c'est insane. Oh, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Il joue le ballon. Il montre que le joueur. Relou. Allez, on prend pas de but sur le coup franc, s'il vous plaît. Sautez. Allez, bien joué, gardien. Où c'est le poteau? Je sais pas, mais bien joué quand même. Bien joué. Dégagement. Parfait. Let's go. Victoire 1-0 pour notre premier match de championnat, les gars. C'est super. Je valide. Encore une fois. Donc, nickel pour nous, là. En vrai, ça commence très très bien. Maintenant, à voir si ça continue dans ce sens-là. Et donc, hop. Pour lui, c'est quoi? C'est il a 17 ans. Non, non, non. Tu restes avec moi et t'es un très bon joueur. Donc, c'est l'avenir. Je tiens à vous informer que je m'étais pas de me. Je voulais me demander de me accorder une seconde chance. J'y songerai. Je peux pas lui dire non. En tout cas, on commence bien. Pour l'instant, on est premier. On est sixième. Donc on peut voir que promotion play-off est montée. Ok, il n'y a pas de relégation du coup. Ah mais attends, j'ai vu un truc qui m'intéressait. Parce que regarde, quand on regarde le classement, mais t'as d'autres trucs. Ok. T'as d'autres ligues. Barrage, relégation, poule. Poule de quoi ça? Ah, Coupe européenne internationale. On a fini combien? On a fini quatrième, hein. On a presque tout gagné, mais bon, dommage. Donc là, on joue contre FCI, donc je ne sais pas qui ça peut être. Il y a une offre pour Ené, donc Ené hors de question aussi. C'est un très très bon et un futur bon de notre équipe. Donc il y a des joueurs qui signent un peu partout. Donc on va pouvoir continuer. Offre aussi pour Haas. Haas, pareil, 20. Ah, en vrai, va, pars, pars, j'ai pas besoin. Alors, donc là, Cairo FC face à FC Ingolstadt.
Donc on est pas mal, analyse de l'adversaire. Donc on peut voir que leur force, c'est quand même le 1 joueur du milieu de terrain à gauche et 2 milieux, 2 défenseurs. Ils sont sur une victoire et une défaite. Donc nous, notre objectif, c'est de continuer à leur infliger une défaite et donc de continuer à leur apporter quelque chose de bon. Donc voilà pour mes joueurs. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Rivero aussi qui était pas très très fort. Mais bon, après, pas très grave. Il va pas mal évoluer pendant cette série, donc il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, que le match commence. Les maillots sont bons, j'ai aucune excuse. Donc c'est parti, c'est maintenant les gars. On va se faire un face à face. On tire. Ouh, dommage. La tentative de loin dès le début. Mais c'est pas tombé dedans, dommage. On va avoir un dégagement de Delaire. Du coup, non. Oh, dommage, il y a hors-jeu là. Il y a hors-jeu, hors-jeu. Oh, le but, 1-0. 1-0. Ça fait 1-0 pour eux, du coup on est un peu dans la mouise. Mais c'est pas grave. On peut revenir. Empêche. Allez, dégage. Non! Bien joué, gardien. Penalty. Hein, coup franc? Oh, let's go. On a eu chaud, les gars. Je pensais qu'il y avait hors-jeu pour. Il y avait penalty. J'ai vu montrer le point de penalty, j'ai fait oh non. Bien vu. Ok, Thomas, la frappe! Et l'arrêt. Arrêt du gardien. Il n'y a personne qui venait sur moi, donc j'ai tenté. Corner de Duranville. Bien tiré. Non. Ok, dommage. La frappe. Oh, l'arrêt. Oh là là. Et j'ai une bête de frappe, hein. Dommage. Le corner est à nouveau mal tiré. Faut que j'arrive à avoir les bons dosages. Tentative de frappe encore. Dommage. Ça fait toujours 1-0 pour eux. Ça va être dur de revenir, mais on va tout faire pour. Jouer. On est en mi-temps, du coup. 1-0 pour nos adversaires, malheureusement. Mais rien n'est fait. Il reste une autre mi-temps. On va tout donner pour avec l'équipe afin de revenir à la marque et de pouvoir refaire la course en tête après. La frappe! Oh là 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 là. Personne n'a pressé, mais s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Et dommage, je passe vraiment pas très très loin. Donc pas grave, on va faire en sorte donc. Tu l'as vu sur le côté, Arnold. Arnold qui se face à face à face à face. Il l'a vu au centre. Il l'a vu. Non, ce qu'il loupe. Mais non. Ah, j'avais tout fait là. C'est dommage. Ok, sur le côté. On avance. On avance. On avance. La tête. Oh, la tête ratée. Ok, prise de balle ratée. Oh, la faute. Grosse faute, monsieur. Allez, c'est maintenant. De nos dernières occasions. Centre bien tendu. La tête. Oui. Let's go. Beau but. Magnifique but. C'est notre défenseur central, je crois, qui marque. Ça fait égalisation 1-1. Et le coup franc magnifiquement tiré. Ça retombe là où il faut, quand il faut. Regarde ça. Pouf. 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 Magnifique. Magnifique. Devant. Oh, il a de l'épaule, lui. Hein. Allez, gardien. Non! Oh, le but de ouf. Oh, et moi, j'ai contré quand même le but. Hein. Il fait quoi? Ah non, il y a but contre son camp. Ah, le but de nul, toi! Non! Ok. Oh, la faute! Bah oui, il y a faute! Je partais au but! Bah oui! Normal! Bon. Horvat, tu mets un truc fort. Oh là! Non! Oh non, la barre! Bon les gars, défaite de 1, première défaite de la saison. Bon, en termes saison, c'est pas très grave en soi, c'est normal. On vient d'arriver, on a 3 points. Ça peut pas être facile dès le début. Je n'ai pas encore toutes les mécaniques de jeu, donc ça va encore. On a reçu un email, programme de développement. Weber. Ok.
problème de développement, donc on va te mettre un truc du genre... Ah bah non, du coup, c'est plus comme ça. C'est comme ça, et du coup... Ah, parce que du coup, t'as les postes qui changent après. Ok. On va lui mettre celui-là parce qu'il est un peu mieux. Après, lui, il a 29 ans, donc ce serait bien qu'on le vende un de ces 4. Donc maintenant, on va continuer le prochain match dans 8 jours. Est-ce qu'on a... On a des départs? Let's go! Donc lui qui est parti pour 180 000 euros à Accrington. Donc parfait, valeur du prix B. En plus, on a tous les joueurs qu'il nous faut. Mise à jour du rôle pour Franks, défenseur latéral. On va confirmer. Hein. Confirmer défenseur latéral qui prête encore un peu plus en expérience. Président, vous envoyez. Ok, donc nous avons dû ça. Et du coup, j'ai le centre de formation. Équipe jeune. Non, moi il me faut. Ah, attendez, il faut que je fasse aussi le plan de développement de lui là. De l'attaquant. Un truc à 14 semaines, c'est pas mal. Toc toc toc. Et du coup, il faut que je mette aussi rapport de recruteur. Recruteur jeune, voir le rapport. J'aurais dû mettre. On va voir le rapport. Et du coup, on va entamer notre dernier match, du coup, si je me trompe pas. Et j'avais vu lui, qui avait un potentiel de 94, qu'on va recruter. Ok, parfait. Et du coup, il a combien de général? C'est lui, il a 51. Et franchement, 51, 15 ans, c'est quand même propre. Donc, on va, voilà, très très bien. Donc, nickel. Et le gardien a 14 ans, donc c'est encore plus incroyable. Maintenant, il y a un tournoi qui commence dans 21 jours. Et on va faire aussi autre chose, c'est que... notification équipe. Plan de développement. Non, c'est pas ça. Stratégie. Tactique. Voilà, présélection. Tactique de l'équipe. Donc on va pouvoir remettre, pourquoi pas, un milieu de terrain. Déjà. Parfait, j'ai plusieurs mecs. Ah, j'ai pas assez. Bon, lui, j'ai assez. Toc, toc, toc. Parfait. De toute façon, il y a d'autres joueurs qui vont être vendus entre-temps. Donc ça pourrait être pas mal, ça aussi. Donc on continue et après on pourra recruter d'autres personnes. Parce que comme ça, ça nous permettra de développer plus facilement nos joueurs. Donc le dernier match de la vidéo joue contre FC Hansa. J'ai pas pu voir. Donc on va faire une analyse de l'adversaire. Donc oula, 5 joueurs à surveiller. Donc ça doit être une équipe assez forte. Et il y a une mise à jour de rôle pour Jung. Du coup, qui passe en MC mais plus. Et du coup, il évolue pas trop. Hein. Il a 30 ans. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Donc, on va le laisser là où il est. Oh, j'ai reçu des messages. Attends, on va regarder les messages quand même. Entraîneur adjoint, vous envoyez un message. Ouais. Bien progressé. On va pouvoir jouer le match contre l'équipe qui est en face de nous. On va juste personnaliser et voir. Choix du camp. Parfait. Les maillots, ils sont nickels. Et on va pouvoir faire ça. Et donc, enfin, on aurait notre troisième match validé. Et voir si on est plus sur un bilan positif. Ou sur un bilan neutre ou négatif. Donc on va s'en rendre compte dès maintenant. C'est parti. T'as la balle. Ok. Duranville. Il arrive dans la surface, Duranville. Ronaldo chope, la frappe. Oula, ça passe à côté. Et c'est vraiment pas loin. Ça passe vraiment pas loin. On est passé à ça de voir un but, les gars. Mais vraiment pas loin. Je pense que ça tourne beaucoup. Oh, bien ajusté. Très très bien joué. La tentative de frappe, non. Ouais, mais... complètement raté. Je me suis dit, c'est Arnold, notre latéral, qui joue un attaquant droit, qui joue bien. Je me suis dit, pourquoi pas. Encore. Bien joué, la récupération haute. Oui, Thomas. Thomas qui va s'offrir face à face. Thomas. Thomas. Allez, fini. Mais non. Dommage. Bon, ma mi-temps, les gars, 0-0. Bon, on domine, je pense, assez bien ce match. Assez nettement, ouais, ils ont 0 tir, on en a 4. Maintenant, à nous de conclure, à nous d'être plus efficaces, on aurait dû déjà gagner 1-0. Mais ça va venir au fur et à mesure des épisodes, ne vous inquiétez pas. Allez, faut qu'on conclue. Ah, vraiment catastrophique. Hein. La frappe. Oh là, elle était lourde. Incroyable, la frappe était incroyable, mais le gardien était dessus, malheureusement. La tête. Non, dommage. Bien tenté, mais c'est pas passé.
Tu veux quelqu'un? Bien joué! Bien joué, tu t'offres face à face! Allez, s'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Ah, mais il y a vraiment un problème de finition dans, dans cette version-là! Soit ils sont vraiment nuls, mes joueurs, mais soit c'est vraiment. Le jeu, il a un problème. Oh, bien joué! Oh, tu t'offres un autre face à face juste après! Allez! Oui! Let's go! Enfin! Enfin, les gars! En même temps, il était temps! Vu comment on dominait le match, je me suis dit, putain, quand est-ce qu'on va marquer? Non, c'est cool. C'est cool. C'est largement mérité. On a tout fait pour y arriver. Maintenant, il faut qu'on maintienne le score. Oh, oh. La tête. À côté. Complètement à côté. Raté. Complètement. Bien joué. Bien joué. Let's go! Et 2-2. Et Duranville marque un très beau but. Ça fait 2-0 pour nous. Le petit 1-2 là était pas mal, bien placé. Passe en profondeur. Bam! Reprise de volée, petit filet. Nickel. Regarde ça. Boum! Par. Regarde le détail. Vitesse du ballon 91 km/h. Magnifique. Imparable. Trop croisé et tout. Non. C'est bien joué. 2-0 pour nous. Franchement mérité. Passe tout juste. Duranville. Duranville, la frappe. Oh là là, l'arrêt. Bel arrêt du gardien encore. Hein. Encore un bel arrêt du gardien. Allez, on continue, on presse. Bien joué, tu la remets sur lui. La tentative de frappe. Oh là là, oh, elle était belle. La frappe, elle partait bien sur le côté et tout là. Bien joué. Bon, victoire 2-0, les gars. On finit très très bien cet épisode. Bon, on marque pas encore beaucoup de buts. Mais les victoires sont là et on a une défaite pour l'instant. Franchement, ça me va. Mais franchement, à voir sur le reste de l'année si ça continue comme ça. Nouveau rôle disponible. Ok, Duranville qui a dû s'améliorer du coup. Duranville, Duranville, Duranville. Du coup, il passe, hop. Parfait. Et du coup, l'autre aussi qui est là, Kata, il prend un truc milieu relayeur. Donc c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir voir donc le classement. Donc actuellement, on est 5e. On est 5e et les premiers sont Dynamo Dresden qui font 3 matchs, 3 victoires. Après, sinon, les autres ont fait un match nul. Il y a 1860 Munich, c'est fort ça, je crois. Dans mes souvenirs, c'est assez fort. En tout cas, dans l'accueil équipe, on va faire on va regarder ça tout de suite. Dans les stats, déjà, on peut voir que Lang est à 7 matchs à jouer. Et 4 buts déjà, donc c'est très très bien joué. Duranville est à 2 buts et 3 passes décisives. Et Howard, c'est à 2 buts. Franchement, c'est très très bien ce que je vois là. Ça part bien. Et lui, il est à 1 but aussi. Et après, les autres, on ne peut pas voir leur évolution. Est-ce que je peux voir les évolutions? Statut. Est-ce qu'on peut voir les plus 1? On peut pas voir les plus 1? Oh, c'est dommage. On peut voir juste les valeurs marchandes comme Mante. Là, lui, il est passé à 32%. Il passe à 6,5 millions de valeurs marchandes à 22 ans. Donc, limite, je pourrais le revendre pour acheter un autre gars. Donc, ça pourrait être pas mal. Donc, franchement, ça se passe plutôt bien. Donc, la suite, on verra ça au prochain épisode. Si tu veux regarder les autres épisodes, n'hésite pas à t'abonner, à partager. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes sur FC25. C'est du mal à le dire, hein. Sur FC25 et pour la création du club et voir si on continue de progresser. Bye bye.